sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Et le plaisir hein, est pour nous en tout cas de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Il était à Kinshasa, lui, le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, en visite hein, à Kinshasa en marge de sa tournée africaine. Hein, et à Kinshasa, il devait rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour un certain nombre de questions, dont le financement par la FIFA du tournoi interscolaire en République démocratique du Congo. Un bref séjour de Gianni Infantino à Kinshasa qui n'aura pas en tout cas échappé anti-consent au mari qui s'était sage de la Fédération pour faire passer leur message. On pouvait lire des papiers bien écrits. Constant Omari dégage. Omari détruit le football congolais. Le football congolais mérite mieux. La FECOFA n'est pas un royaume. Nous voulons le départ de Omari à la FECOFA. Voilà les quelques messages qu'on pouvait lire et que le manifestant, en tout cas, voulait bien que le numéro 1 du football mondial, Gianni Infantino, puisse voir hein, afin de leur aider certainement à atteindre leur objectif qui est de voir Constant Omari dégagé. Alors il semble qu'en rapport justement avec ces manifestations, 28 personnes auraient été interpellées par la police. Hein. Et si personnes qui ont été interpellées par la police, c'est Constant Omari qui aurait été à la base de leur interprétation. En quoi en tout cas l'un des manifestants dont je vous propose de suivre une audio qui circule en tout cas sur les sociaux et qui exige la libération immédiate et sans condition de ses compatriotes qui ont été arrêtés pour la simple et bonne raison qu'ils manifestaient contre le président de la Fédération congolaise de football association Constant Omari. Je vous propose d'écouter ce manifestant. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse par rapport à cet incident. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et surtout activez également la notification. Juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci, nous nous retrouvons tout de suite après. Constant Marie, libéré 28 personnes au Tindiba policier Bakanga. Maître Bébé Kassonga Tumba, président du rangement qui a Sibel et initiateur de la pétition contre ton bureau. Gestion mafieuse. Le meilleur ami de l'homme, c'est le temps. Constant Marie, libéré 28 personnes au Tindiba policier Bakanga. Maître Bébé Kassonga Tumba, président du rangement qui a Sibel et initiateur de la pétition contre ton bureau. Gestion mafieuse. Le meilleur ami de l'homme, c'est le temps. De suivre cet audio qui illustre bien ce qui s'est passé en marge. Visite du président international de football Gianni Infantino ici à Kinshasa. Gianni Infantino qui aurait d'ailleurs zappé un programme de la fédération, ce qui fait dire hein, à certaines personnes qu'il y aurait peut-être un problème hein, entre cette fédération et le numéro 1 de la confirmons pas. Tous les cas, la réalité est qu'il y avait en marge de cette visite quelques manifestants qui ayant appris en tout cas, l'arrivée de Gianni Infantino ici à Kinshasa s'était organisée pour pouvoir faire passer leur message en apprêtant en tout cas des banderoles, des calicots sur lesquels on pouvait lire justement mais hostile au numéro 1 de la Fédération Congolaise de Football Association Constant Omari. Et dernier en tout cas exige le départ de Constant Omari ou du moins en tout cas des réformes qui permettraient à cette fédération de s'ouvrir hein, à plusieurs personnalités comme notamment des anciens joueurs de football qui pourrait, pourquoi pas, diriger cette instance du football national. Alors, en marge justement de cette visite de Gianni Infantino et de cette manifestation des anti-Omari, il y aurait eu 28 manifestants qui ont été arrêtés par la police. Et c'est le but justement de cet audio et ce manifestant qui exige leur libération sans en condition que ce Constant Omari qui aurait
permis leur arrestation. Est-ce que la manifestation avait été autorisée? Si manifestation il y avait, tenir juste des papiers sur lesquels vous écrivez un message à envoyer au numéro 1 de la FIFA, je ne vois pas où se trouve l'infraction, mais en tout cas, même un message très important que la FIFA devrait également suivre, hein, et pourquoi même le chef de l'élection Tshisekedi, parce que nous avons un problème notamment avec cette fédération, surtout donne l'impression de mépriser l'équipe d'âge de la République démocratique du Congo et ces équipes qui ne participent quasiment pas à des compétitions d'âge, alors que l'avenir de nos équipes nationales dépend justement des jeunes. Et si le président de la FIFA, Gianni Infantino, vient en République démocratique du Congo pour parler justement financement scolaire, c'est dire de la FIFA de s'occuper de cette jeunesse qui est l'avenir du football mondial même. Et je pense que la fédération n'a pas suffisamment fait pour le football d'âge et c'est ce qui rend nos équipes nationales aussi faibles et fragiles. Nous pouvons le voir avec notamment des compétitions qu'on a eues au championnat d'Afrique des Nations, même pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc un message clair envoyé par les opposants à Constant Omari, sa gestion n'inspire pas en tout cas à confiance et sa gestion est décriée par plus d'une personne ici en République démocratique du Congo, mais surtout le besoin de changement à la tête de cette fédération. Et la Fédération Congolaise de Football Association est devenue club d'amis où vous avez les mêmes personnes qui reviennent de Théobald Binamungu, à qui on a la coordination les Léopards doivent. Tiens, vous savez, par exemple, lors de la reprise des éliminations 2021, pour la 3e et la 4e, devait jouer contre l'Angola ici et à Luanda, nous avons eu des joueurs d'importance qui étaient absents, tels que Yohan Ewissa de Lorient, tout simplement parce qu'il avait un problème de passeport. Alors, vous avez un coordonnateur national de la République démocratique du Congo qui est incapable d'anticiper ce genre de problème. Il y a très clairement des incompétents qui ne sont pas à leur place dans cette fédération. Et c'est devenu un club d'amis où vous avez des gens qui sont des amis à Constari et qui gardent et qui sont toujours élus, tout comme lui-même Constant Omari. Mais cette fédération continue à souffrir en tout cas d'un manque d'organisation criant. Et c'est pour cela qu'il y a certainement des manifestants, des opposants qui réclament qu'il y ait des changements à la tête de cette fédération. Je pense que ce n'est pas seulement à tort. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à cette fédération, notamment même le manque d'anticipation. Lors du championnat d'Afrique des Nations, nous nous sommes test Covid. La fédération n'a pas pris des dispositions pour anticiper ce genre de situation. Et elle s'est laissée prendre par dans le piège, en tout cas, des Camerounais réagissant à la dernière minute et c'était trop tard. La République démocratique du Congo avait été suffisamment déjà frappée et on n'a pas pu se remettre de cela. Je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place au sein de la fédération et il est temps, en tout cas, qu'il y ait soit une réforme, hein, en tout cas des changements majeurs. Et ces manifestants voulaient, en tout cas, faire passer un message clair à Gianni Infantino et nous pensons que le football association qui aurait été à la base, hein, de leur arrestation, nous espérons en tout cas que ces derniers pourront être libérés. Une manifestation, on est en démocratie. Si on manifeste contre le président Félix Antoine Tshisekedi, a fortiori le président de la Fédération Congolaise de Football Association, on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est contre vous. Je pense que là, ce n'est pas anormal. Arrivé à la fin, si vous avez aimé, laissez un like, mais surtout abonnez-vous, hein, à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous allez vous abonner. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Et si vous avez aussi une opinion, un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous laisser en tout cas dans un commentaire. Encore une fois, merci et DMTV vous dit au revoir.